Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aussi nombreux pour cette première conférence Chambre de commerce de l'année. Déjà, on a voulu mettre happy parce qu'on a envie d'être heureux, on a envie de croire que cette année 2021, eh ben, il y aura de l'ambiance, on pourra de nouveau vivre des événements préventiels, on pourra se faire plaisir, on pourra, pour certains, ben, relancer notre business. Et évidemment, la Chambre de commerce et l'OECO qui co-organisons cette réunion, c'est tout le meilleur qu'on vous souhaite. Voilà, vous êtes déjà, on est déjà plus de 60 connectés, on attend une centaine de personnes, donc on est super content évidemment d'avoir autant de monde. Je vais d'abord vous rappeler quelques éléments hein, de ces conférences. D'abord, vous pouvez poser vos questions à tout moment. Utilisez pas le chat pour ça, le chat c'est plutôt pour le cas échéant, si vous avez des problèmes techniques, s'il y a des éléments d'organisation. Mais par contre, les questions et réponses, posez-les dans l'outil Q&A ou Q&R, en fait, si vous avez votre Zoom en français. Ça va permettre aux conférenciers de répondre en temps réel et surtout, ça nous permet de garder les réponses pour que vous puissiez les recevoir à la maison en même temps que les liens vers le replay après la conférence. Je vous ai également ici rappelé que ben, vous recevrez tout ça dans le cadre d'une petite synthèse après ce panel. Vous pouvez aussi lever la main. Alors ça sera surtout pour la partie table ronde à la fin de la conférence. Vous pouvez lever la main, ça vous permettra de réactiver votre micro pour que vous puissiez poser votre question directement. Donc, ce qu'on fera sur la table ronde, eh bien, on prendra certaines questions peut-être à laquelle les conférenciers n'auront pas encore répondu ou peut-être des questions auxquelles ils auront répondu, mais qu'on choisira de mettre en avant. Et évidemment, à ce moment-là, en plus des questions qui seront dans le Q&A, eh bien, vous pourrez poser vos questions en direct en utilisant la main levée virtuelle. Je vous l'ai déjà dit, on vous aura la présentation et puis il y aura évidemment un format replay qui sera disponible sur les réseaux et également sur un lien qu'on transmettra dans un petit mail à la fin de la conférence, donc 2 jours après cette conférence. Voilà, je crois qu'on est prêt pour démarrer, il est 17h05, on est dans le timing. Je vais passer la parole à Alexandra Riss. Cher Alexandra, on espère que tu vas bien, on espère que la Chambre de commerce va bien. En tout cas, la Chambre de commerce, on vous a beaucoup vu pendant cette période troublée de notre histoire. Donc, toutes nos félicitations pour votre engagement. Et puis, Alexandra, ben, tu as la parole pour un petit mot de bienvenue. Merci beaucoup pour tes très aimables paroles, Christophe. Ça fait chaud au cœur de savoir que nos efforts et les longues heures que nous passons sont perçus. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau cycle de séminaires. L'objectif de ce cycle, mais c'est d'ailleurs l'objectif tant de l'OECO que de la Chambre de commerce, c'est de vous aider, chers entrepreneurs, entrepreneuses, je ne sais pas si c'est entrepreneuse le féminin ou entrepreneur RE, enfin ça se peu dit, importe. Ça se dit, c'est entrepreneur, ça se dit, oui. chers chefs d'entreprise, c'est de vous aider dans votre quotidien et de vous permettre d'assurer la pérennité qui est aujourd'hui vraiment bien mise à mal par ce qui se passe. Le thème qui a été choisi pour le cycle et particulièrement pour aujourd'hui sur le rôle des administrateurs nous tient passablement à cœur parce que à la CCIG, nous avons beaucoup de PME qui sont membres, c'est normal, hein, c'est la composition du tissu économique suisse. Et malgré tout, très souvent, on entend un petit peu râler ou traîner des pieds parce que le conseil d'administration reste largement perçu comme plutôt une encouble, alors qu'un administrateur est là pour aider le chef d'entreprise dans son activité au quotidien et lui apporter les coups de pouce de savoir et d'expérience qui sont nécessaires à améliorer l'ordinaire. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre davantage. Je regrette presque de casser un petit peu l'ambiance que Christophe, tu as générée avec le happy, juste pour vous rappeler que malgré tout, si vous avez une question liée à la situation et aux aides actuelles, la situation pandémique, je vous rappelle l'existence de la cellule COVID de la Chambre qui est toujours active. Vous trouvez une page sur le site web avec les différents formulaires à remplir, délais, etc. Mais surtout, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à faire un mail à l'adresse COVID19@ccig.ch.
Merci beaucoup. Merci, cher Alexandra. Puis tu restes avec nous, évidemment, puisqu'on a, on a un bon moment à passer ensemble. Tu as parlé du fardeau, hein, peut-être qui pèse sur les épaules de certains entrepreneurs, hein, lorsqu'ils parlent de leur conseil d'administration. On va essayer de donner une autre idée aujourd'hui, une idée très, très pratique, finalement, sur la valeur que peut apporter le conseil. Aujourd'hui, un conseil d'administration fait partie intégrante de la gouvernance. Il doit apporter de la valeur pour aider l'entreprise à performer. Et puis, je crois que les trois administrateurs fondateurs, on va les introduire évidemment, qui sont présents là, nos trois experts qui sont présents avec nous, eh bien, n'en pensent pas moins. Et là, vous avez sous les yeux le panel qu'on vous propose pour aujourd'hui. Ces trois entrepreneurs, trois administrateurs, trois patrons d'entreprise qui sont différents, hein, tant dans leur fonction que dans le type d'entreprise qui gouverne, puisqu'on a une école avec Alain Moser qui va commencer ce panel, une école locale, malgré le fait qu'évidemment, il y a une école qui soit à Berlin. Il va nous en parler en introduisant l'école. Alain, fondée par son père, avec une reprise par lui il y a quelques années, il va également nous en parler. Donc, une entreprise familiale. Après, on a SeedStars, qui était une start-up, hein, dans le domaine de l'événementiel, du soutien à l'entrepreneuriat, avec Alizée, jeune entrepreneuse au top 50 de Forbes et entrepreneurs au monde. Donc, Alizée, elle va nous parler plus, évidemment, de sa posture en lien avec le monde des start-up. Et puis, enfin, on aura Nicolas Thibaudeau, qui, elle, eh bien, à œuvrer dans des grands conseils d'administration, œuvre également à tête d'une entreprise importante de la place, donc une plus grosse structure. Donc, elle va venir avec ses compétences, évidemment, dans des plus grosses organisations. Voilà, ça va être passionnant. Il est 17h09, hein, c'était le moment qu'on s'était donné pour donner la parole à Alain Moser. Alain, est-ce que tu nous entends? Est-ce qu'on peut te voir, Alain? Est-ce que tu peux activer ta caméra et ton micro, s'il te plaît? Voilà, donc le micro Alors, est le activé, je micro, vois. oui, mais on me dit que je ne peux pas activer ma caméra parce que tu la bloques. Ah, mais on va te débloquer, Alain. Peut-être, c'est la censure, c'est la censure Ouais, c'est ça. 2021. Vous ne pouvez Ouais. pas démarrer cette vidéo, l'animateur l'a arrêté. Alors, on va essayer de te l'activer. Service technique. Et voilà, c'est tout Oui. bon. On te voit. Bienvenue, Alain. En tout cas, Merci. c'est un grand plaisir de te voir et de t'avoir avec nous. Donc, on te laisse la parole pour 10 minutes, là, maintenant que tu nous donnes un petit peu ta perception du conseil d'administration, puis de la valeur ajoutée qu'il est censé apporter. The floor is yours. Ok, merci à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci à Christophe de m'avoir invité à ce panel. C'est vrai que la question du conseil d'administration pour une entreprise familiale, une PME, aujourd'hui avec un peu plus de 200 employés, est importante. C'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Je dirais qu'à l'époque de mon père, c'était plutôt des amis, des copains proches de lui ou des gens qui avaient pour vocation de le soutenir, mais qui était là plus pour valider les options stratégiques que mon père mettait en place. L'entreprise était bien sûr d'une autre dimension. Et puis avec la professionnalisation aussi du conseil d'administration, dont vous avez entendu parler et que vous connaissez, et en particulier aussi la taille et les enjeux pour une école comme la mienne, qui est basée à Genève, Lyon, et récemment, nous avons ouvert il y a 10 ans à Berlin aussi une entité, le conseil d'administration a une valeur aujourd'hui qui me semble très importante et sur lequel je peux m'appuyer. Alors, la question, parce qu'on le débat souvent avec des amis entrepreneurs aussi qui ont des PME, quel est finalement son rôle? Est-ce que c'est juste pour valider les options du directeur général? Finalement, je suis l'actionnaire majoritaire, je suis directeur général de mon entreprise et président du conseil, donc j'ai tous les pouvoirs, ce qui est absolument affreux. Pour des gens comme Christophe qui pensent que la gouvernance ne peut pas être sous cette forme, mais je suis ouvert à toutes les questions concernant cette thématique-là. Mais disons qu'aujourd'hui, avec le cumul des responsabilités qui sont les miennes, j'ai essayé de constituer autour de moi un conseil d'administration dont je suis très fier, je ne vous le cache pas, et très heureux parce que l'idée, c'est d'amener les compétences. Alors, c'est très discutable, hein, vous le verrez plus tard dans le panel, il y a des gens qui ne pensent pas comme ça. Mais moi, en tant que manager, leader, directeur d'entreprise, bien entendu, je n'ai pas toutes les compétences requises pour mener à bien mes visions stratégiques. Et j'ai besoin de les challenger avec des gens, des professionnels de certains secteurs. Et dans une école, c'est vrai qu'on n'a pas forcément un avocat directement dans l'école, on a un département de comptabilité, mais on n'a pas forcément des gens disponibles pour
travailler sur des options stratégiques pour l'école, ou en tout cas les challenger. Ils travaillent pour nous, donc ils vont faire ce qu'on leur demande, ils vont prendre les hypothèses qu'on leur met en avant. Donc, on a créé un conseil d'administration, et pour le faire, d'ailleurs, je partagerai ce document avec vous si ça vous intéresse, j'ai pris un tableau qui synthétise les compétences requises pour le conseil d'administration. Et ces compétences, il y en a, c'est vous qui les décidez par rapport aux besoins que vous avez. Moi, il y avait comptabilité, ressources humaines, gestion, philanthropie, droit, développement des affaires, marketing, aujourd'hui les technologies, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un de compétent dans le board, etc. Et puis, un certain nombre de qualités requises pour rejoindre ce conseil qu'on peut évoquer aussi, je l'ai fait avec ma partenaire, quelqu'un d'intègre, d'indépendant, qui a des relais politiques ou pas, etc. Et puis, finalement, le profil démographique. Est-ce qu'on veut des gens de notre génération, des sages de la génération de mon père, ou des gens qui bousculent un peu la manière dont on voit le business aujourd'hui et dont on voit nos affaires avec des gens beaucoup plus jeunes que nous. Donc ça aussi, c'est des décisions à prendre. C'est passionnant et il faut rencontrer dans ce contexte des personnes. Donc nous, on a créé un conseil d'administration. Il y a 3 femmes, 3 hommes. Une personne issue de l'opérationnel de l'école qui peut faire du feedback comme ça sur ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Moi, en tant que président et directeur général. Et puis, 4 personnes avec des profils très différents. Alors, pour synthétiser, quelqu'un plutôt dans le droit et la médiation, quelqu'un qui représente un actionnaire minoritaire, mais qui est très dans le business development et dans les chiffres, qui me challenge et qui me sur tout ce qui est chiffres et comptabilité, quelqu'un qui est plus côté ressources humaines et qui a travaillé dans des grandes entreprises et qui connaît aussi de l'intérieur les grandes entreprises et qui connaît bien le monde des conseils d'administration. Et finalement, moi, dans mon métier, j'ai besoin aussi de relais politiques pour faire avancer mes projets, pour obtenir aussi un accès au Parlement, à la Confédération, un peu partout. Donc, j'ai besoin de relais politiques. Donc, je cherchais aussi pour compléter mon conseil quelqu'un qui a un peu pignon sur rue et qui a été actif ou qui est actif dans le monde politique. Donc voilà, quel est son but finalement? On se voit 4 fois par année, c'est des gens qui sont rémunérés et qui reçoivent des documents à l'avance. On essaie de mettre une thématique par conseil, il y en a 4 par année. Chaque conseil a une thématique, par exemple la stratégie numérique 2020-2024. Je présente ça, ils me challenge, ils me posent des questions, puis après on passe les différents points en revue qui sont de l'ordre de ce qu'on doit évoquer par rapport à l'école et à sa continuité, à son business quotidien. On se voit 4 fois par année. Il y a une fois, c'est le suivi de l'Assemblée générale. Et puis, je crois que aussi le fait de pouvoir partager et de s'extraire un peu de l'entreprise, parce que finalement, les gens avec qui on travaille sont souvent d'accord avec nos positions, sont assez enthousiastes avec nous, parce que voilà, je transmets mon enthousiasme, j'essaye quand j'ai des projets dans lesquels je crois, et ça fait du bien de pouvoir se confronter à une autre réalité et puis à lancer comme ça des pistes de réflexion et puis voir les challenger un peu avec des membres du conseil suivant leurs compétences et leur domaine de compétences. Mais ça doit se faire dans une idée de bienveillance aussi, je dirais. Il faut qu'on s'entende bien, ce n'est pas chaque fois remettre en question, c'est quand même le directeur, le propriétaire finalement qui connaît le mieux son entreprise. Il ne faut pas non plus attendre, c'est mon avis, mais je fais exprès de provoquer un peu, il ne faut pas attendre des réponses ou attendre un engagement de la part des membres du conseil comme le directeur ou ma directrice générale qui est au quotidien dans l'entreprise. Donc, il faut savoir prendre un peu de distance, être conscient qu'ils ont tous un métier à côté ou en tout cas, ils ont d'autres activités que l'école Monzer en l'occurrence et qu'ils vont consacrer une petite partie de leur temps à cette activité et qu'ils le font avec bienveillance, mais surtout avec une conscience professionnelle très forte. Donc, c'est un peu ma chance, c'est que je me suis entouré d'une équipe aussi bien dans mon école, ça c'est fondamental dans la PME, ces équipes de direction, mais je trouve que ça vaut la peine
de prendre le temps de constituer un conseil d'administration. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs de PME un peu plus petites que la mienne ou à peu près à taille égale qui n'ont finalement pas de conseil d'administration, qui travaillent un peu en huis clos avec le fondateur et j'aurais pu être avec mon père, les deux, et puis on aurait partagé tout ça. Ça n'a jamais été le cas, il y a toujours eu un conseil d'administration. Mon père, déjà, comme je vous l'ai dit, l'avait constitué à l'époque. Il sentait le besoin aussi de s'entourer de gens qui avaient des compétences aussi complémentaires aux siennes. Et voilà, moi, je crois beaucoup à ça. Je crois aux vertus du conseil d'administration. Je pense que c'est… Et puis, ça crée aussi et ça ouvre un réseau. Il ne faut pas négliger non plus cet aspect-là. C'est que les gens qui sont impliqués, s'ils sont fiers de faire partie de votre entreprise et qui s'identifient un peu aussi à la mission, à la vision que vous avez, et ça, c'est fondamental de s'assurer de ça au moment où vous les choisissez, passer du temps à discuter avec eux et à bien les aligner à votre vision, à la mission, aux valeurs de l'entreprise, parce que sinon, ça peut créer des malentendus et des situations pas forcément agréables. Il faut un alignement quand même avec les membres du conseil. Voilà, dans les grandes lignes, c'est un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Christophe, est-ce qu'il y avait un point, on avait parlé, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié ou que tu aurais voulu que j'aborde vite avant que mon temps de parole soit passé? Non, écoute Alain, tu as cité pas mal de choses qui nous paraissent intéressantes. Tu as cité la question des valeurs, tu as cité la question, puis on la reprendra après, je pense qu'elle est super intéressante, de la granularité, c'est à quel moment est-ce qu'on attend que les membres du conseil d'administration s'engagent, puis à quel moment en fait ils nous gonflent plutôt qu'autre chose parce qu'ils viennent mettre leur nez là où ils ne devraient pas. Et c'est que la granularité, elle va être évoquée par certains des participants. Il y a un élément, moi peut-être, puisqu'il est 10h19, peut-être tu as évoqué, Et c'est quelque chose qui n'est pas encore, non, c'est pas venu dans les questions, mais tu as évoqué la question de la transition avec ton père. Est-ce que la transition avec ton père a généré un changement de conseil d'administration immédiat? Comment ça s'est passé, le suivi de passage de génération? Bon, alors, là aussi, alors, très rapidement, je pense qu'une des missions principales et la plus importante de nos conseils d'administration, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise, donc de challenger sa stratégie. Et dans les moments de transition, c'est-à-dire de passation d'une génération à l'autre, c'est ce qui va bientôt m'arriver aussi si j'essaie de transmettre à mes enfants d'une manière ou d'une autre, c'est un point crucial pour le conseil d'administration. D'ailleurs, c'est un des plus anglicismes, achievement, c'est une des plus grandes réussites pour un conseil d'administration de garantir la pérennité et de trouver un successeur à la personne qui dirige. Donc, de mon côté, oui, dans un premier temps, j'ai gardé, pendant la période de transition qui a duré 4 ans, où je me suis occupé de l'école de Nyon, mon père était basé à Genève, j'ai redressé, on va dire ça comme ça, une école qui se portait mal. Et quand je suis revenu à Genève, mon père s'est complètement retiré du business. On a créé une fondation qui porte son nom, comme ça il avait une activité, il pouvait continuer à être présent d'une manière ou d'une autre dans le domaine de l'éducation, mais plus du tout dans l'opérationnel et plus du tout dans l'école. J'ai gardé un petit moment de conseil d'administration, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Ils étaient très loyaux et fidèles et amis de mon père, donc je les ai basculés dans le conseil de fondation de mon père, en fait. Il a récupéré le board, et puis moi, j'ai constitué un nouveau conseil d'administration avec, à l'époque, il y avait Nicolas Brunschwig, il y avait des gens comme ça, qui était aussi issu d'entreprises familiales, qui avait des relations politiques, qui avait un concept, il avait des gens un peu plus de ma génération. Et on est reparti avec un nouveau conseil. En fait, ça s'est fait assez naturellement, mais je pense qu'il est assez utile de s'entourer de gens avec qui on est en affinité et qui, justement, ne sont pas dans la comparaison de la génération d'avant. Votre père aurait fait comme ça, puis est-ce que vous lui avez demandé, et puis est-ce qu'il serait d'accord, etc. Donc là, c'était une toute autre équipe. Et ça m'a permis de multiplier en 20 ans par 3 le chiffre d'affaires, par 4 le nombre d'élèves, etc. Donc, on a eu une croissance quasiment exponentielle. Et je pense que ça a été aussi lié à cet esprit que mon père avait. Il est parti de rien, il a construit. Moi, je suis parti de quelque chose existant, il fallait que je développe. Et pour développer, il fallait que je m'entoure de gens qui avaient une vision et des objectifs aussi. On a construit un nouveau bâtiment, on a tout de suite déménagé aussi. J'ai pris mes fonctions au terme d'un projet de construction, de déménagement de l'école et de repositionnement complet de l'offre, en fait. On a transformé beaucoup de choses. Mais le conseil a été à ces moments-là très, très important.
C'est super inspirant. Donc, le conseil qui est là pour garantir évidemment la transition. Puis après, à un moment donné, évidemment, quand la transition est faite, avoir un conseil qui nous suit pour que, évidemment, pour que l'entreprise évolue. Un grand merci, Alain. Un grand bravo aussi, parce qu'on sait que voilà, l'école Mozart se porte très bien. C'est beaucoup développé ces derniers temps dans une phase pas évidente pour beaucoup d'entreprises. Et puis, une petite pensée pour ton papa qui est parti il n'y a pas si longtemps. Voilà, donc, Merci. et puis, on se revoit tout à l'heure. Alors, Avec à tout plaisir. bientôt, cher Alain. Ok, je On va passer coupe. la parole à tout de suite. On va passer la parole à Alizée d'Otonac. Est-ce que Alizée, tu nous vois? Voilà, on te voit. Superbe. Bienvenue, cher Super. Alizée. Eh ben, Merci. la parole est à toi. Merci beaucoup. Ben, ravi d'être là parmi vous. Et donc, ouais, peut-être vite fait une précision sur SeedStars. Donc, nous, on a pour objectif de soutenir la formation et l'investissement dans des jeunes startups dans les pays émergents. Donc maintenant, on a un portefeuille d'une soixantaine de boîtes qui nous permet aussi de réfléchir beaucoup à ces conversations de conseil d'administration, etc. Donc, par rapport aux trois points que je voulais vraiment aborder dans ce panel, peut-être premièrement, je pense qu'il est important de. Bon, il y a bien évidemment avant tout un cadre légal et pourquoi le conseil d'administration existe. Donc, on sait qu'il a été choisi par les actionnaires et que vraiment il est là pour assurer la bonne gouvernance la bonne pratique de la société. Donc, ça, c'est un peu, si j'ose dire, le béaba. Mais maintenant, de façon plus générale, je trouve qu'il y a vraiment trois axes sur lesquels le conseil d'administration peut apporter de la valeur ajoutée. Donc, il y a la partie bien évidemment stratégique, la partie de leadership, donc de soutenir le CEO ou en tout cas la direction de mener la boîte et finalement toute la partie reporting qui est liée aussi à monitorer, évaluer la performance de la boîte. Donc, idéalement, et c'est assez brillant quand ça se fait, dans les meilleurs des cas, un conseil d'administration va aspirer et on va pouvoir assister à une forme d'intelligence collective. Et c'est là où moi je trouve que vraiment on voit toute la valeur d'un conseil d'administration. Donc pour moi, souvent j'ai vu des leaders de boîte critiquer beaucoup leur conseil d'administration, mais c'est tellement pour moi un reflet du leadership de la société et avant tout sa qualité, la performance d'un conseil va aussi être comment dire, calibrée par rapport à la performance du leadership et de ce que eux ils veulent en faire de leur conseil d'administration. Donc peut-être la question en termes de quelle est la valeur ajoutée d'un conseil et à quel moment, je pense que le meilleur conseil qu'on nous a donné, c'était de ne pas se précipiter et on le voit d'ailleurs dans les boîtes dans lesquelles on investit souvent, là où on a les plus gros challenges par rapport à un conseil d'administration, c'est où ils n'ont pas eu le choix et parfois ça arrive et on voit les situations challenging dans lesquelles ils peuvent se retrouver sur des term sheets avec des investisseurs ou des situations où ils n'arrivent pas à avoir le luxe, entre guillemets, la liberté de composer leur conseil d'administration. Mais trop souvent, il n'y a pas une vraie réflexion de quelle est réellement la valeur ajoutée dont ils ont besoin de ce conseil d'administration pour un temps déterminé. Et la vérité, en fait, c'est chez SeedStars, on reste quand même une structure assez jeune et agile. Donc, on n'a pas vraiment un conseil d'administration comme on peut l'imaginer de taille de société un peu plus large où il y aurait bien évidemment des membres indépendants. Donc, elle est principalement elle consiste de ses fondateurs. Mais ce qu'on conseille et aussi ce que nous, on met en place, c'est que depuis le début, bon, déjà, on a été cofondateur, donc on a une équipe. Je trouve que pour un solo entrepreneur, c'est encore plus difficile parfois, et donc un conseil d'administration a plus de valeur. Mais surtout, on s'est entouré de mentors et de nos investisseurs qui nous ont énormément aidés. Et donc, on a une forme d'advisory board plus ou moins formelle. Et qui nous permet au fur et à mesure de tester les relations afin de pouvoir vraiment, quand on veut établir un conseil d'administration plus large, comprendre quelles sont réellement les personnes qu'on aimerait participer à dans la vision de notre société. Je trouve qu'il y a trop souvent des conseils d'administration de complaisance et donc, je le vois soit par volonté, tout simplement parce que la direction n'a pas envie de se justifier ou vraiment gérer ou manager un contre-pouvoir. Bon, ben là, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée dans tous les cas. Donc, ça se fait parce qu'il le faut légalement. Soit souvent, ils le font, en fait, ils ont un conseil d'administration de complaisance, même presque par erreur, parce que donc les startups se retrouvent dans une première phase à vouloir acheter
une crédibilité, un nom. Et une fois qu'ils ont cette partie-là, qui est souvent de courte durée, ils se retrouvent dans une situation avec des membres qui n'arrivent pas à vraiment apporter plus de valeur ajoutée et qui ne s'intéressent pas vraiment à mettre l'effort et l'investissement pour balancer un peu, balancer la performance, les idées, les challenges que la direction met en place. Et du coup, de nouveau, c'est pour ça que je pousse vachement parfois à mettre en place ces advisory boards ou ce type de relations plus informelles pour continuer à tester et aussi pouvoir, entre guillemets, acheter une certaine crédibilité et non sans avoir un peu tous les éléments légaux qui vont avec le fait qu'on ramène un membre dans un conseil d'administration. Donc, ce que nous, on a pu voir sur le portefeuille de boîtes dans lequel on a investi, mais même de façon plus générale un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a effectivement un peu des tendances de conseil d'administration par rapport à la maturité de la boîte. Donc, en règle générale, c'est plutôt les fondateurs avec souvent le premier investisseur et plus la boîte, elle mûrit, plus il y a des membres externes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que le focus et les priorités vont changer. Tout simplement parce que les complexités de gouvernance vont augmenter, mais aussi il y a un chiffre de pouvoir entre les fondateurs et les investisseurs. Donc souvent on voit qu'il y a une priorité de conversation dans les débuts d'une boîte, donc au démarrage, de parler de stratégie, de produits, de business development, de levée de fonds bien évidemment. Et plus la boîte grandit, il y a des conversations de compétences, de gouvernance, en termes de la structure organisationnelle, en termes des besoins de recrutement et surtout en termes de leadership de la direction pour assurer qu'ils arrivent à gérer la croissance de la société. Donc ça aussi, on le voit assez bien et nous-mêmes, en le vivant, on réalise aussi que nos besoins et les priorités qu'on aimerait mettre en avant avec un conseil d'administration changent. Et peut-être dernier point que je voulais partager avec vous, c'était, je trouve que de par notre expérience, mais aussi quand on rentrait dans des boards de start-up ou mes propres expériences, on a dû, c'est presque, il y a beaucoup, par culture de la boîte ou du leadership, il y a un manque de clarté sur quel est réellement le mandat de l'actionnaire. Et donc, chez Seastars, on est assez amoureux du concept de radical transparency qui a été vachement porté par Ray Dalio, un des gros head fund managers aux États-Unis. Et c'est vraiment d'avoir cette conversation, de aligner, clarifier quels sont réellement les atouts de ce membre, quel est le mandat au sein du conseil d'administration, entre guillemets, de quoi on attend de cette personne en termes de compétences, en termes d'introduction, et de garder ce dialogue très ouvert et constant avec un certain rythme pour que le membre puisse évoluer aussi avec les besoins de la société qui vont de toute façon évoluer et changer. Et du coup, peut-être ce membre-là ne sera plus approprié pour cette nouvelle phase de la société, mais s'ils ont gardé un dialogue suffisamment fort et honnête, c'est beaucoup plus facile aussi de gérer les transitions. Donc, bien évidemment, l'idéal, c'est un actionnaire qui est réactif, qui apporte de la valeur ajoutée tangible. Et je pense, de nouveau, c'est là où il y a tellement de manque de clarté au début d'une relation avec son conseil d'administration sur clairement quelles seraient les valeurs ajoutées tangibles sur lesquelles on doit aspirer et ensemble mettre des objectifs. Et tout ça doit être coordonné et cadré par le leadership à la fin. Je trouve que c'est vraiment c'est eux qui mènent le bateau, donc c'est à eux aussi d'assurer ce dialogue avec chaque membre. Et surtout parce qu'on s'est retrouvé dans beaucoup de situations et j'ai entendu beaucoup d'histoires où il y a des demandes excessives, soit de la part du conseil d'administration, soit de la part du leadership. Mais récemment, un de mes partenaires était dans le board d'une des boîtes qu'on a soutenues et il y avait une forte exigence du fondateur de mettre la faute sur le conseil d'administration qui n'avait pas assuré la levée de fonds. Et c'est certainement, on choisit souvent nos membres
pour aider à la levée de fonds ou créer des introductions ou apporter de la crédibilité au niveau des négociations ou même des compétences pour structurer des deals. Mais ce misalignment, donc de penser qu'en fait les X millions devaient être closés et grâce au conseil d'administration qui devait faire l'effort de A à Z, pour moi, ça représente une énorme immaturité aussi du leadership et de la compréhension même de ce qu'est un conseil d'administration. Donc, je pense là aussi, comme je le disais au début un peu, je trouve que ça reflète tellement le leadership et la maturité de la boîte et où ils se tiennent. Donc, voilà un peu les trois points par rapport à, fondamentalement, quel est l'objectif du conseil, quelle est sa valeur ajoutée et à quel moment, à quel stade de maturité d'une boîte et aussi réellement mettre en avant de façon factuelle le mandat. Quel est le mandat qu'on demande à ce membre et d'assurer que le leadership puisse mettre en place le bon cadre, les bonnes règles dans le meeting, donc plein de choses qui font que ça facilite la conversation et qu'on peut se retrouver à cette intelligence collective. Merci beaucoup, merci Alizée, super inspirant. Écoute, on a plein de questions qui sont posées, on va te laisser aller les découvrir dans le Q&A et puis essayer d'y répondre en temps réel. Il y a déjà, bravo, notamment Alain qui a répondu à près de 7 questions, là vous êtes au taquet. Là. C'est vrai que c'est un des avantages de ce type de format, c'est qu'on peut répondre à beaucoup plus de questions que dans un webinaire ou un séminaire traditionnel où on a juste 3 questions à poser à la fin. Donc allez-y, posez vos questions, puis Alizée, on te retrouve tout à l'heure, si tu es d'accord, pour la table ronde. À tout de suite, un grand merci. Et puis, alors, on va accueillir maintenant Nicolas Thibaudeau, qui est la patronne, la CEO de EMPS AG. Est-ce que Nicolas, tu es avec nous? Est-ce qu'on peut t'entendre? Alors, voilà, on t'entend et encore mieux, on va certainement te voir. Voilà. Bienvenue, cher Nicolas, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Comme on l'a dit un petit peu avant, c'est vrai qu'on a vraiment 3 typologies différentes, hein, avec l'entreprise familiale, après plutôt le monde des startups, hein, donc startups elles-mêmes, les Exit Stars et puis startups qu'elle soutient. Et puis toi, plutôt dans le domaine des plus grosses entreprises, peut-être tu peux nous dire évidemment l'introduction, quelques mots sur EMPS pour ceux qui ne la connaîtraient pas et sur les différents mandats. Puis on se réjouit de t'entendre et puis de te poser plein de questions après. Voilà, Nicolas. Moi, j'ai une expérience de conseil d'administration qui est variée puisque mon premier conseil d'administration, c'était chez Mécanex, quand j'ai acheté Mécanex à Nyon, où l'actionnaire principal m'avait dit, le conseil d'administration, c'est ce papier, tu changes la date, tu changes les chiffres de l'année. C'était comme ça que ça se faisait il y a 20 ans dans les petites PME. Et puis, peu à peu, cette expérience-là s'est vraiment comblée par des participations à des conseils d'administration, soit d'autres PME, des startups ou des plus grandes entreprises. Mais dans tous les cas, personnellement, j'ai trouvé ce qui était le plus important au départ, c'est de partager les mêmes valeurs. Parce que j'ai vu des cas où, par exemple, les valeurs ne sont pas partagées par des nouveaux membres ou par un nouveau président qui arrive. Et à ce moment-là, c'est le clash pratiquement assuré. Si, par exemple, un des objectifs d'un membre du conseil, c'est de mettre la société en bourse ou de se débarrasser de ce qu'il appelle vieille technologie puis de garder ce qui est nouvelle technologie, alors que ce n'est peut-être pas la volonté ni de la direction ni de l'entreprise. Donc, le partage des mêmes valeurs, ça se fait en quelque part. Par exemple, moi, chez MPS, quand je suis arrivée, les actionnaires venaient de reprendre la société, de racheter cette société qui était toute vieille société, active dans différents domaines, des domaines qui n'étaient pas nécessairement ceux des membres du conseil d'administration, puisque chez MPS, les membres du conseil d'administration sont aussi des opérationnels au sein du groupe en Allemagne. Donc, il y a eu un premier travail, et ça a été fait ici, comme je l'ai fait dans des plus grandes boîtes, c'est de vivre ensemble les valeurs de l'entreprise elle-même par des formations, par des échanges, par des temps hors du conseil d'administration qui permettent de s'imprégner des valeurs de l'écosystème du domaine. Parce qu'on peut être un bon avocat, mais pas nécessairement avoir partagé les valeurs et même le vécu d'un écosystème qui est dans le médical, ou qui est dans l'horlogerie ou qui est dans les différents domaines des industries, en tout cas, où moi j'étais active.
Donc, le partage des valeurs, je pense que c'est quelque chose d'important. Puis, des formations dans le domaine, des échanges, même aller visiter des clients, par exemple, ben, chez MPS, j'ai pris des conseils d'administration, on les a emmenés au musée de l'horlogerie, on les a emmenés visiter des grands clients, des grandes boîtes horlogères pour leur vraiment faire comprendre qu'est-ce qui est derrière toute cette valeur horlogère. La même chose au niveau du médical, aller dans des expositions, les inviter à venir nous voir dans des expositions pour pas que le conseil d'administration se réunisse et parle de quelque chose qu'on sent pas le contenu derrière ou la direction. Donc ça, c'est cet échange-là, puis le conseil d'administration lui-même, avec ses compétences qui sont souvent pas celles que nous, on a à l'interne. Par exemple, au niveau des affaires légales, c'est souvent des choses qu'on n'a pas dans des boîtes de notre grandeur, mais qu'on a besoin d'avoir des membres du conseil d'administration qui a une compétence aussi, par exemple, dans le domaine académique. Chez MPS, ben, on a pris quelqu'un qui était à l'EPFL, comme ça, il nous permettait d'avoir un point de vue déjà un peu sur tout ce qui se faisait dans le domaine microtechnique et en même temps d'avoir une ouverture différente, puisque ce n'était pas dans l'industrie, c'est dans l'académie, pour voir la direction qu'on va prendre. C'est le cas aussi dans d'autres plus grands conseils d'administration, que ce soit à la Mobilière ou dans le passé à la Poste, d'avoir un échange de domaines, mais tout en ayant aussi, si possible, des gens du même domaine, mais qui l'ont été il y a peu de temps, donc soit des gens qui sont à la retraite ou qui sont devenus des administrateurs indépendants, donc qui ont un gros background, supposons, dans le domaine bancaire, mais qui ne sont plus dans le domaine bancaire, donc ce n'est pas un concurrent. Ça, c'est aussi un apport qui nous permet d'avoir vraiment un contrepoids par rapport à nous, le CEO qui a vraiment le nez dans le guidon puis qui n'a peut-être pas des visions sur le reste, puis permet aussi d'avoir des benchmarks par rapport à ce qu'on fait dans notre industrie ou dans notre entreprise. Ce que j'avais relevé aussi, c'était que le guide des bonnes pratiques qui a été, je l'ai vu moi, être mis en place il y a une vingtaine d'années, et a été un gros tournant dans la qualité des conseils d'administration en créant des comités. Donc, dans une plus grande structure, c'est vrai que le comité permet d'aller plus en profondeur sur des sujets, comme par exemple à la Mobilière, on a un comité dont je fais partie, c'est le comité digitalisation. Puis ça nous permet de prendre des membres qui sont le plus proches de ce domaine-là et puis d'aller vraiment approfondir. C'est déjà passionnant. Dans les comités, je trouve personnellement que c'est là qu'il y a le travail le plus passionnant pour le membre du conseil d'administration et pour la direction, parce que là, on a le temps d'échanger, on a le temps d'approfondir et on a le temps de vraiment aller jusqu'au contour et même plus loin que le sujet qu'on veut discuter pour après l'amener au conseil d'administration avec la réflexion de part et d'autre, soit de la direction puis du conseil d'administration. C'est les comités, ben, il faut qu'ils s'adaptent à chacun des types de conseils d'administration, du type de l'industrie ou de l'entreprise du conseil d'administration. Et puis, des formations qui permettent aussi de suivre un peu l'évolution du domaine. Et je pense qu'une des choses importantes, en tout cas, qui apporte beaucoup, c'est de passer du temps en dehors du conseil d'administration pour travailler la stratégie. Ça veut dire pas travailler la stratégie dans l'intérieur d'un espace-temps limité, mais d'avoir un espace-temps grand qui est avec une préparation, avec des documents de préparation qui sont vraiment, vraiment fouillés, qui permet de vraiment pouvoir élaborer une stratégie, pas chaque année, chaque 2-3 ans, revoir cette stratégie puis de la faire évoluer. Une chose aussi que je voulais relever, c'est les compétences. Le conseil d'administration c'est pas une extrapolation de la direction, c'est des compétences parfois qu'on n'a pas. Et puis, ce qu'on a fait, par exemple, chez MPS, c'est que le domaine d'MPS est assez varié, puisqu'on est dans le médical, on est dans l'horlogerie, on est dans le domaine aéronautique ou défense, ce qui fait qu'on ne peut pas couvrir tous ces domaines-là par les membres du conseil d'administration. Donc, on a créé pour chacune des entités maintenant un conseil stratégique. Dans le conseil stratégique, on va se élaguer les questions de
financières ou de cash flow, mais on va se concentrer sur vraiment la stratégie au niveau de l'essence même de la division, de l'entité, ça veut dire le médical, l'orthopédie ou l'horlogerie avec des points de vue académiques ou des points de vue de chirurgien, par exemple, pour la partie orthopédique ou des cardiologues pour la partie microsystème. Ce fait d'avoir ce mélange, cette balance entre le comité stratégique qui prépare, qui travaille, qui va aller chercher aussi un peu du réseau et puis qui va apporter suffisamment de nourriture et puis de réflexion à la direction pour vraiment élaborer une stratégie qui après va être entérinée par le conseil d'administration. Pour moi, c'est la façon que j'ai vu où on était le plus performant avec des formations soit du conseil de la direction vers le conseil d'administration puis des échanges qui permettent de rester toujours au niveau. Parce que finalement, le rôle du conseil d'administration, les rôles principaux de haute surveillance, de stratégie ou de choix du personnel, c'est une partie, mais il y a encore toute la partie, toutes les autres parties qui sont des évolutions, par exemple, au niveau de digitalisation, évolution au niveau de la croissance de l'entreprise, l'acquisition. C'est grandes questions qu'on ne peut pas toujours se poser, nous, avec la direction, mais on a besoin de cet échange avec le conseil d'administration qui nous apporte, eux, des points de vue qui sont leur expérience, leurs échanges qu'ils ont eus déjà, eux, dans leur entreprise ou dans leurs différents domaines, que ce soit académique ou industriel. Voilà, c'est un peu, moi, ce que j'avais à dire. Et puis, si je reviens encore sur les comités du conseil, mais le comité rémunération permet de vraiment regarder plus en détail la performance des membres de la direction, parce qu'en fin de compte, un des rôles qu'on a, nous, le conseil d'administration, c'est le choix des personnes qu'on choisit à la direction. Donc, le comité rémunération, ou on l'appelle des fois nomination, permet de... Bien, c'est vraiment stratégique parce que je l'ai vu, par exemple, dans des conseils comme à la Poste où le choix des personnes à la direction font toute la différence. Voilà, bien, c'est ce que j'avais plus ou moins à dire. Merci beaucoup, Jean-Nicolas. Ouais, c'est génial. On a vraiment un super, super panachage finalement des expériences au conseil d'administration. C'est super inspirant. Donc, encore une fois, un grand merci. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, Nicolas, pour toi, on ira évidemment prendre quelques questions piochées pour la table ronde parce qu'il y en a qui intéressent tout le monde. Parce qu'évidemment, c'est difficile pour toi de répondre en temps réel et d'être en même temps sur la table ronde. On ne va pas te demander ça. Peut-être juste pour les bonnes pratiques, je vous les rappelle. Donc, on va maintenant ouvrir la table ronde. Vous pouvez continuer à poser vos questions dans le Q&A. Moi, je vais animer la table ronde. Donc, je vais garder évidemment un œil dessus. Et puis, le cas échéant, si vous voulez réagir directement, eh bien, levez la main virtuellement. Et puis, on vous donnera la parole quand ça sera possible. Voilà, j'espère que vous êtes tous prêts pour ce moment. Donc, on va maintenant demander aux panélistes. Donc, on va arrêter le partage d'écran. On va demander aux panélistes d'activer et leur micro et leur caméra essentiellement, leur micro, ça viendra quand ils répondront aux questions. Je ne peux pas pour l'instant. Toujours pas, Alain. Toi qui est marqué que l'animateur. On va regarder. T'as vraiment l'animateur qui t'en veut, Alain. Ah voilà, ouais, bon. Tu veux pas, je sais. Ouais, non, ouais. Même parce que t'as dit des méchancetés avant. Ouais, c'est ça. J'ai noté une. Peut-être Alexandra, tu peux aussi venir avec nous si tu le veux, il n'y a pas de problème, on accueille tout le monde sur le tableau. Peut-être premier point, alors, évidemment, je vais prendre évidemment, quelques questions parce qu'il y a plein de questions super intéressantes. Hein. La première question que je voulais vous poser, c'est un concept que moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si autour de la table virtuelle vous connaissez le concept des fuck up nights, mais c'est ces événements business qui viennent d'Amérique du Sud, hein, dans lesquels on demande aux entrepreneurs de dire, mais qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et c'est vrai que souvent, on apprend plus des erreurs qu'on apprend des succès, que les entrepreneurs, évidemment, ont beaucoup plus, ont moins de mal, évidemment, à raconter. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous, Alizé, Alain, Nicolas, déjà peut-être pour lancer cette table ronde, si vous avez une chose dans votre conseil d'administration que vous avez en tête, vous dites, là, ça n'a pas fonctionné, là, on a eu un problème, là, que ce soit avec une personne, que ce soit dans le fonctionnement du conseil, certains éléments, vous l'avez peut-être évoqué, hein, notre, et je ne l'ai plus en tête, mais je ne sais pas, est-ce que... Si quelqu'un veut lever la main pour dire qui veut peut-être intervenir là-dessus, Alain, vas-y, je t'en prie.
Bon, juste, j'avais une question aussi sur la place des actionnaires dans le conseil d'administration. C'est-à-dire là, c'est... moi, quand j'ai repris l'école, en fait, tous les membres du conseil étaient actionnaires de l'école. C'était un point de vue, c'était mon père qui avait organisé les choses de cette manière. En fait, il était même minoritaire par rapport aux détenteurs de l'école. Il n'avait pas la mainmise complète sur le conseil. La question, est-ce que c'est bien d'avoir des actionnaires dans le conseil d'administration ou pas ? À la question qu'on me posait, d'abord, ce n'est pas obligatoire. Les actionnaires ne font pas forcément partie du conseil d'administration, juste pour clarifier. Et puis, moi, j'ai un actionnaire minoritaire le plus important qui est un représentant. Il n'est pas directement lui dedans. Mais je ne pense pas forcément que c'est utile si la mission, la vision de l'entreprise motive les administrateurs à venir à rejoindre. Moi, c'est le cas aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'ils sont fiers d'être dans l'école forcément, mais il y a quelque chose qui, de l'ordre aussi, de l'intérêt personnel et du réseau peut-être que ça ouvre, ils y trouvent, tout le monde y trouve son compte. Mais je voulais juste dire que moi, d'avoir eu des actionnaires au début, ça a été très compliqué. J'ai dû les racheter, ils avaient des points de vue, ils se sentaient un peu propriétaires à juste titre. Et puis, ils se sont ligués à un moment donné contre mon père, à une époque où c'était compliqué. Voilà, ça n'a pas été une super expérience d'avoir des actionnaires dans le conseil. Donc c'est, voilà, donc c'est une question et en même temps, tu partages ton expérience. Voilà, je partage ça. Non, mais c'est super intéressant. C'est intéressant parce que c'est vraiment une question, je pense, que plein de monde se pose. Et je pense dans les PME, évidemment, là, on a souvent des actionnaires qui ont en même temps un siège au conseil d'administration. Je ne sais pas, Alizé ou Nicolas, est-ce que vous voulez répondre à Alizé ? Est-ce que tu réponds oui, à ça ? Alors... Quelle est ton expérience ? Non, je pense que la nôtre, du fait qu'on a entendu tellement d'expériences, on ne se précipite absolument pas. Donc, on a plutôt fonctionné avec des mentors, des advisory boards, donc ce genre de relations informelles pour pouvoir nous aider à mieux naviguer notre vision. Par contre, là, oui, on a entendu les histoires les plus compliquées, c'est soit il y a des term sheets qui sont présentés par des investisseurs potentiels qui demandent un board seat et il est très difficile à ce stade pour l'entrepreneur de négocier autrement et il se retrouve dans un deuxième temps avec un conseil d'administration qui n'est pas optimal et avec des investisseurs où ils découvrent après coup les vraies intentions par rapport à la croissance de la boîte. Donc, c'est tout ce genre de situations qui deviennent assez catastrophiques où il y a une énorme perte d'énergie et parfois qui peut avoir des vraies implications sur la performance de la boîte. Mais c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment, il faut rester prudent, il faut réaliser qu'il y a d'autres méthodologies de un peu date les différentes personnes pour finalement comprendre quelle est la culture, quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en place. Et ça ne se découvre pas les premiers mois de structurer une boîte. Ça prend des années parfois pour beaucoup de tout simplement trouver les bons cofondateurs ou la bonne équipe de base qui va vraiment participer à la croissance de la boîte pour après intégrer un noyau tout aussi intime au sein des décisions de la boîte. Donc oui, c'est plus les histoires horribles qu'on a attendues ailleurs qui nous demandent de prendre prudence. Merci Alizé. Nicolas, ton point de vue là-dessus, peut-être sur la question des actionnaires et puis après peut-être un élément toi qui t'a marqué en termes d'échec, je veux dire, du fonctionnement d'un conseil ou que ce soit du fonctionnement d'un membre du conseil. Alors dans les banques par exemple ou à la poste, obligatoirement il y a les besoins du conseil d'administration, mais il y a automatiquement un besoin de représentativité régionale, représentativité linguistique, représentativité souvent de partis politiques. Puis tout ça, ça fait une équation où à la fin, la soupe, des fois, elle ne va pas ensemble. C'est pour ça que je dis la première chose, c'est qu'il faut vraiment partager les valeurs. Il y a souvent dans les... dans l'entreprise, dans les statuts d'entreprise, un représentant de l'actionnaire minoritaire. Par exemple, à la Banque cantonale du Jura, on a deux actionnaires minoritaires qui sont la Banque cantonale de Neuchâtel et la Banque cantonale du canton de Vaud, et on a un représentant de chacune des deux banques. Et pour nous, c'est un plus extraordinaire parce que ça nous permet d'avoir un benchmark en temps réel. Quand ils sont chez nous, ils ont la tête, ils ont la casquette conseil d'administration, ils n'ont pas la casquette micromanagement du secteur dans lequel ils sont, dans l'autre banque cantonale. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une réponse définitive, dire que c'est un représentant de l'actionnaire, c'est
c'est négatif. Mais pour l'avoir vécu à la Banque cantonale vaudoise, c'est parfois difficile quand il y a un actionnariat qui est mixte et puis surtout une société qui est cotée en bourse. Ça veut dire qu'on peut pas avoir, on peut avoir un représentant de l'actionnaire, mais qui ne peut pas communiquer les informations à celui dont il est le représentant, puisqu'il y aura un actionnaire qui sera privilégié par rapport à un autre actionnaire. Donc, il y a quand même cet équilibre à tenir d'avoir ce même niveau d'information pour tous les actionnaires. Dans les PME, souvent, le conseil d'administration, la barrière entre le conseil d'administration et l'Assemblée générale est assez tenue. Donc, moi, par exemple, chez MPS, ben, souvent, quand je vois qu'on n'est pas en train de discuter d'un problème de conseil d'administration et de l'Assemblée générale, je dis, mais ce point-là sera discuté à l'Assemblée générale. Super intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui doit se reconnaître dans certaines aventures que vous avez évoquées. Peut-être avant de passer à la question suivante, peut-être Alexandra, tu voulais intervenir? Oui, l'une des panélistes a dit tout à l'heure, a utilisé une très jolie formule qui était sur le fait que le conseil d'administration n'est pas l'émanation de la direction. Mais ça a été dit assez rapidement et je crois que c'est vraiment une des choses fondamentales à mémoriser de ce séminaire de cet après-midi. Et en corollaire, on oublie trop souvent qu'on doit en réalité faire des job descriptions pour les administrateurs et a fortiori pour le président du conseil, aussi bien qu'on écrirait un job description pour des membres de sa direction générale. Je voulais juste insister dessus parce que ça a été dit plusieurs fois, mais sous des formes différentes et un peu rapides, et je crois que c'est vraiment fondamental pour la performance des conseils d'administration, la bonne entente et la création de la synergie entre direction et conseil. Ouais, très intéressant. Merci Alexandra. C'est vrai que socialiser, tu évoquais la transparence radicale quand on va chercher un nouvel administrateur, vraiment lui dire pourquoi il est là, ce qu'on attend de lui, partager les valeurs et voir si ça match, etc. Ouais, c'est bien de l'avoir souligné, Alexandra. Je te remercie beaucoup. Il y a une question qui était posée par Christian qui n'a pas encore été évoquée donc dans le Q&A. C'est cette question évidemment de se mêler de l'opération, trop de l'opérationnel, mais pas assez, etc. Donc, la fameuse question de la granularité de l'application du conseil, donc se mêler trop ou trop peu, finalement. Vous l'avez rapidement évoqué dans vos speeches, mais est-ce que vous pouvez juste en quelques mots dire pour vous, en gros, comment est-ce que vous gérez cette question de la granularité de l'implication des membres du conseil? On va peut-être prendre dans le même ordre qu'avant, peut-être Alain. Oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que le conseil n'est pas du tout là pour s'occuper de l'opérationnel. Moi, je suis absolument radical et clair. C'est une perte de temps totale. D'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Si vous voulez avoir un conseil d'administration efficace et qui s'intéresse à ce que vous faites, c'est sur des aspects beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus moyen-long terme que de mettre son nez dans l'opérationnel. Alors ça, après, s'il y a des mandats, parce que dans l'opérationnel, à un moment donné, il y a des choses qui doivent être validées, checkées ou challengées. On peut, avec l'émanation, c'est ce qu'on appelle des comités ou des gens comme ça qui peuvent venir voir. On parlait de rémunération, de choses comme ça. On peut leur donner des mandats après, plus spécifiques. Mais je crois que si on passe des conseils d'administration, nous, on se voit 4 fois par année, c'est exclu qu'on commence à leur expliquer comment le business as usual se passe dans l'école, qu'est-ce qui se passe dans les classes, les profs, le recrutement, etc. Donc, on est vraiment sur des options. Là, on va développer quand on ouvre à Berlin une nouvelle école, quand on construit un bâtiment ou on prend des emprunts. C'est sur les grands aspects stratégiques de l'école et sur ces moments-là clés où je vois vraiment l'intérêt du conseil d'administration. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des gens super intéressants autour de moi et qui me font confiance et qui viennent. C'est que ça dépasse justement l'opérationnel. Donc, voilà. Je m'arrête là, mais je crois que moi, le rôle, il est très, très clairement défini. On challenge la stratégie, qu'elle soit numérique, qu'elle soit stratégie opérationnelle, ça peut l'être, mais en tout cas, pas perdre du temps à raconter et challenger le conseil sur des trucs qu'ils ne connaissent pas. On est les mieux placés, nous, dans l'entreprise, pour savoir comment elle fonctionne. Nicolas ou Alizé? Est-ce que quelqu'un va intervenir? Alizé, vas-y. Oui, je pense que c'est difficile parce qu'on aime, en fait… Pour apporter aussi une valeur ajoutée au niveau leadership et stratégique, il faut quand même
avoir une certaine granularité pour que ce commentaire ou ce feedback soit pertinent. Et c'est toujours cette balance qui est assez difficile à gérer. C'est pour ça que souvent, on cherche aussi à prendre des actionnaires qui, been there, done that, hein, que si possible, ont acquéri une expérience dans ce marché ou dans un marché qui pourrait être intéressant pour la boîte, afin de vraiment apporter une valeur ajoutée tangible. Quand on a essayé, donc pour nous, de nouveau, ce n'était pas forcément de structurer tout de suite un conseil d'administration, mais un nombre restreint de personnes qui peuvent nous aider sur des axes stratégiques et de leadership. Et on s'est retrouvé avec des expériences où très vite, c'était un peu du fluff, c'était intéressant et c'est des belles paroles et c'est très inspirant, mais concrètement, on avait du mal. En fait, ça n'apportait pas tellement de valeur que ça, si ce n'est que ça nous donnait un moment assez inspirationnel. Parfois, ça nous redonnait un peu l'énergie pour se relancer dedans. Mais c'est pour ça que c'est tellement important. Alors déjà, il faut espérer que le leadership, donc le CEO ou un nombre restreint de personnes, ait les compétences nécessaires de définir la stratégie d'une boîte. Hein, c'est vraiment des compétences. Il y en a qui sont plus ou moins forts en ça. Et de là, de mettre en place le mandat du conseil d'administration et quels seraient donc les rôles de chaque membre qu'on aimerait amener. Et c'est qu'avec un peu cette forte transparence dès le départ qu'on peut espérer faire une suite d'expériments, hein, une suite d'initiatives qui vont plus ou moins réussir pour mieux comprendre quelle est la dynamique optimale qui va faire qu'on va se retrouver avec, je réutilise un peu cette intelligence collective, mais j'y crois vraiment qu'on arrive à un stade où cette dynamique d'équipe peut apporter des résultats supérieurs à la somme de chaque individu. Et c'est en fait, pour moi, j'aspirerai toujours à ça et donc je mettrai en place des expériments constants pour pouvoir essayer de manier ça. Et je pense que ça aide du coup à aussi être très honnête sur la durée de cette relation. Si on a été très transparente dès le départ, s'il y a eu un effort de recrutement au niveau des valeurs, je sais que beaucoup de gens se trouvent dans des situations où ils se sentent incapables de terminer des relations avec des membres. Si c'est transparent, s'il y a une cohérence par rapport à une stratégie plus large, en fait, je vois que c'est souvent là où on se retrouve avec le moins de friction. Merci beaucoup. Nicolas, sur la question de la granularité, toi, tu as évoqué là, évidemment un élément de réponse, hein, je pense, qui est celle des comités, hein, où du coup, les membres du conseil ont la possibilité de dig into, quoi, d'aller un petit peu plus loin dans les sujets. Ouais. Peut-être mais que ce soit dans un comité ou au conseil, il ne faut absolument pas mélanger le rôle du conseil avec celui de la direction. C'est pas l'opérationnel, ça doit vraiment rester au sein de la direction. Si elle n'est pas capable, il faut changer la direction, il ne faut pas changer le conseil. Hein. Merci. C'est dit et bien dit. Peut-être du coup, c'est cette question de compétence de la direction et puis de l'interface avec le conseil. Vous avez parlé, vous l'évoquez toutes et tous, la question de la stratégie. Comment est-ce que vous impliquez votre conseil dans la question de la stratégie? Quelle est sa place? Parce qu'à un moment donné, il est là pour valider ou pour faire un peu de fine-tuning sur une stratégie posée par la direction, ou est-ce que vous, dans vos expériences, vous êtes dans une logique de plus de co-création avec le conseil de cette stratégie? Comment est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas si quelqu'un se sent l'envie de répondre, peut-être lever la main et puis je donne la parole. Alain? Oui, rapidement. Non, de nouveau, la question de, comme l'a dit Nicolas, c'est juste s'il n'y a pas de bon directeur, de bon leadership dans l'entreprise, le CA, il faut qu'il l'assume et qu'il change et puis qu'il prenne une disposition pour changer les gens. Donc, moi, j'ai dit directrice, directeur par établissement, c'est des gens qu'on a challengés et qui ont été aussi vus, compris par le conseil d'administration. Maintenant, s'il y a des problèmes à ce niveau-là, il faut en assumer les conséquences. Mais moi, je crois que non, effectivement, la stratégie de l'entreprise, elle doit être faite par les gens qui la vivent au quotidien. Moi, de nouveau, si on lance un nouveau produit, ce qui n'est pas très joli comme terme dans le monde de l'éducation, mais on va lancer une nouvelle offre, quelque chose d'absolument unique en Suisse romande.
C'est clair que c'est une stratégie qu'on a développée. Il n'y a que nous qui pouvons imaginer la possibilité de faire ce genre de choix. Après, on challenge, alors c'est clair, avec le conseil d'administration. S'ils ont des doutes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur quoi ils portent. Il peut y avoir des aspects plus juridiques, il peut y avoir des aspects de marché, il peut y avoir des aspects d'introduction du produit, de sa durabilité, des vraies questions sur le coût réel, parce qu'on fantasme toujours quand on lance des choses, ça ne va pas être cher, ça va être parfait, ça va marcher. C'est bien d'amener du doute. Il y a une espèce d'enthousiasme du chef d'entreprise quand il a des projets, qu'il transmet à ses collaborateurs les plus proches qui sont tous d'accord et qui se réjouissent. Et à un moment donné, il faut juste que des gens bienveillants autour de nous disent « Attends, ok, mais est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu vas l'introduire de cette manière? Est-ce que tu as compté ?» Par exemple, on sous-estime quand on lance un projet, et je l'ai vu avec plein d'autres, et des startups et des gens avec qui je travaille aussi, on sous-estime massivement les coûts d'introduction, les coûts de communication une fois qu'on a un produit ou quelque chose qu'on veut lancer. On est sûr que ça va marcher, donc on ne se pose pas forcément les bonnes questions autour du marketing, de la communication. Et dans les budgets que je vois passer, dans ce qu'on essaie de mettre en place, alors aujourd'hui, tout a changé avec les réseaux sociaux, ça coûte beaucoup moins cher, on n'est plus dans les mêmes logiques, je l'entends. Néanmoins, voilà, c'est ce genre d'attente un peu, mais je n'attends pas de mon conseil d'administration, moi, clairement, qu'il établisse ou de co-écrire avec eux une stratégie d'entreprise. Ils ne sont pas là pour ça, je l'ai expliqué au début, moi c'est des compétences que j'apporte autour, mais ils ne sont pas là pour définir la stratégie, ils sont là pour la challenger et puis pour poser des questions qui leur semblent pertinentes. Voilà. D'accord, ouais, donc ils ne sont pas dans l'opérationnel, ils ne font pas la stratégie, donc ils font un peu l'avocat du diable, ils challengent. Est-ce que Nicolas et Alizée, vous avez d'autres avis là-dessus ou des compléments à apporter sur ce que vient dire Alain? Non, je suis d'accord, je pensais vraiment à amener cette rigueur. Et plus on grandit, plus on a un besoin de rigueur au niveau de la stratégie du leadership. Élaborer Merci. La stratégie, c'est la direction, avec son travail de se mettre ensemble et d'élaborer la stratégie. Et le conseil d'administration est là comme sounding board, et comme pour faire voir des côtés qui n'ont pas été, ou peut-être compléter la stratégie, la challenger aussi. Ça, c'est le rôle du conseil d'administration. Tu as parlé tout à l'heure, il y a eu quelques questions là-dessus aussi, mais des comités, hein, donc on retrouve plus dans les grandes structures. Comment est-ce que toi tu vois quels sont les comités qui sont nécessaires selon toi, hein, et puis comment tu vois le fonctionnement de ces comités, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup ici de PME, hein, autour de notre table virtuelle. Comment tu vois l'application de ça au PME? Dans une PME, il n'y a pas vraiment de comité, c'est plutôt... Il y a une personne, elle va plutôt s'occuper des parties finances, donc elle va peut-être, entre les conseils, élaborer, avoir un contact plus pointu avec le chef des finances presque en direct, ou ça va être la personne qu'on va pouvoir contacter quand la direction, elle est là, elle veut faire une acquisition, puis c'est pas quelque chose qu'elle peut encore discuter avec la direction. Ça va être son répondant, puis d'avoir une autre personne qui va être plutôt... une personne qui a plus d'expérience au niveau du réseau, par exemple, c'est cette personne-là qu'on va aller chercher pour nous mettre en contact avec. C'est presque une personne par comité, parce que dans une plus grande entreprise, un comité, c'est 2 ou 3 personnes avec le reste de la direction. Donc, tu vois plutôt des rôles, toi. C'est plutôt des rôles qui sont confiés à certains membres du conseil en fonction de leurs compétences et talents. OK. Les rôles, ça nous parle en alacratie. C'est intéressant, merci beaucoup. Il y a plusieurs points qui sont venus, évidemment, sur les éléments de benchmark ou de taille. Ça, peut-être, ce que je vous propose de faire, c'est que les intervenants vont encore avoir vos questions. Il y a possibilité d'y répondre après ce webinaire pour vous donner des éléments plus précis. Et donc, quand on vous enverra les questions avec les réponses, eh bien, vous aurez évidemment ces réponses-là qui n'ont pas pu être répondues en temps réel. Donc, je n'ai pas forcément les prendre là. Par contre, il y a un élément que je trouve assez intéressant qui a été posé une question qui a été posée par Pauline, c'est la question de la crise. C'est vrai qu'on on attend d'un conseil qui challenge les éléments stratégiques sur la base de ce que pose la direction, sur la base évidemment de ce que où est-ce que la direction veut aller. Quid de la crise et qu'est-ce qu'on attend d'un conseil d'administration en cas de crise? Est-ce qu'il doit prendre la main? Qui sait qu'il y a quelque chose à dire sur la question? Il doit supporter, il doit être là pour vraiment
Ça ne dépend pas quel type de crise. Hein. C'est une crise parce que toute la direction sont dans les pattes l'un de l'autre, puis il faut licencier toute la direction. Ben, à ce moment-là, c'est le conseil d'administration qui reprend la main, ça, c'est sûr. Je ne l'ai pas vu souvent, mais j'en ai déjà entendu parler. Mais sinon, en temps de crise, le conseil d'administration il est là pour aider. Aider tout ce qu'il peut. Merci beaucoup. Alain et Alizé, d'autres vues, des compléments? On a traversé chaque PME, chaque entreprise à des phases de croissance, de décroissance. On ne lui souhaite pas trop de crise, mais il y en a quand même, c'est dans toutes les aventures humaines. Donc oui, moi je crois beaucoup, et c'est pour ça que je disais au départ, il faut être aligné sur les valeurs, il faut plutôt bien s'entendre, et puis il faut être clair sur vraiment aussi les qualités des gens qu'on a autour de nous. Et moi, j'ai traversé une crise assez importante à un moment donné dans mon entreprise, parce qu'il y avait des mauvais payeurs, on a eu toute la crise de 2008 qui a fait qu'on a eu des problèmes de liquidité et tout, mais j'ai trouvé une grande solidarité, et plutôt, alors là, stratégiquement, pour sortir de la crise, avec leur expérience personnelle dans des milieux différents et avec aussi leur participation à d'autres boards, on est sorti très, très vite de cette crise en deux réunions du conseil d'administration avec une stratégie. Alors là, la stratégie de sortie de crise, ce n'est pas à l'interne qu'on a pu, puisqu'on s'est fait choper dans la crise, ce n'est pas nous qui avons été bons pour l'anticiper. Donc là, le conseil d'administration a été redoutablement efficace dans ce contexte. Et le fait de faire partie de ce conseil a permis d'être très transparent sur la crise qu'on traverse. Les enjeux étaient tout de suite posés sur la table. Et les mesures à différents points de vue, elles ont été et des négociations avec le gouvernement et avec des parents et avec des avocats. On avait tous les relais dans le conseil d'administration pour faire face à cette crise de manière ultra efficace. On est sorti très, très vite de la problématique. Donc, c'est un peu ça aussi. Quand on a un bon conseil d'administration et des gens en qui on a confiance et qui sont là avec une forme d'empathie aussi et qui croient dans l'entreprise, à long terme et qui sont prêts aussi à affronter ça, c'est très, très précieux parce que c'est un peu la panique à l'interne. Et puis, s'il y a crise, c'est qu'on n'a pas su l'anticiper. Donc, ils nous aident aussi à anticiper les prochaines. Et encore un dernier truc sur la stratégie. Aujourd'hui, on est parti avec un projet stratégique un peu différent. Le conseil d'administration m'a rappelé ma vision stratégique il y a 6 mois parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours des nouveaux projets, on a envie d'avancer. Il me rappelle quand il le faut, que ce n'est pas tout à fait ça que j'avais expliqué avec le même enthousiasme il y a 6 mois, et que la stratégie, peut-être, celle-là, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, qu'est-ce que ça implique de partir dans un autre projet? Est-ce qu'on abandonne combien, etc. Donc, c'est ça que j'aime bien, si vous voulez, au niveau des conseils. Si on atteint ça, voilà. Vous voyez que vous avez quelqu'un de content de son conseil. Intéressant. Alizé, que tu as rajouté cette question-là? Oui, je pense que, en fait, c'est la même relation avec comment on choisit nos fondateurs. Et je me rappelle quand moi, j'avais rejoint mes cofondateurs, j'étais étonnée qu'ils faisaient tellement de… leur recrutement était réellement basé et la définition de mettre en place l'équipe founding, c'était tellement basé sur les valeurs. Et en tant que jeune entrepreneuse, je comprenais parce que moi, je voulais les stars. Je voulais les stars par compétence, par secteur, pour vraiment pouvoir accélérer. Et ils m'avaient, et eux, Pierre-Alain et Mickaël, ils avaient eux-mêmes déjà lancé des boîtes. Ils pensaient que c'était la plus grosse erreur parce que pendant les moments durs, comme les moments les plus incroyables, qui sont par défaut deux moments assez absurdes, la seule chose qui va faire tenir l'équipe, ce sont les valeurs. Et je trouve que c'est assez vrai, c'est la même chose pour un conseil d'administration. Souvent, parfois, on fait l'erreur de vouloir vraiment, entre guillemets, acheter le nom ou la crédibilité. Et ça fait partie de pourquoi on met en place ce conseil. Mais s'il n'y a que ça, on se retrouve vraiment avec ce gros risque de se retrouver dans des moments très difficiles ou incroyables à plus du tout s'aligner sur les valeurs ou la vision de base qui avait été mise en place. Donc, ça, je trouve vachement fort. Et il y a Catherine qui, par exemple, a posé la question de quelles seraient donc les compétences les plus critiques pour un conseil d'administration aujourd'hui, pendant la pandémie et tout ce qui se passe en ce moment. Ça serait de nouveau de s'assurer qu'au niveau des valeurs, on peut assumer les plus gros obstacles qui vont de l'avant et espérer qu'il y a en fait cette intelligence de pouvoir penser de façon stratégique et long terme, parce que je vois beaucoup de startups et PME en ce moment
qui n'ont pas le choix, mais tout l'investissement et l'énergie est mis sur le day-to-day survival, quand la vérité, c'est maintenant qu'il faut investir sur le futur. Entre guillemets, on doit se réinventer encore plus vite. Donc, d'avoir le soutien d'un conseil d'administration qui est capable à les soutenir dans cette transformation et donc dans ces investissements plus ou moins risqués, je trouve que c'est fondamental pour la survie de ces boîtes, surtout durant cette période. Merci beaucoup, merci. Donc ce conseil, il doit, si je synthétise, il doit être capable évidemment de challenger la vision stratégique posée par la direction. Il doit être là, supportive en cas de crise. Il doit être capable aussi, évidemment, en lien avec ce qu'on lui a demandé, en termes de compétences, de venir supporter l'organisation lorsque c'est nécessaire, avec les fameux rôles qu'on peut leur attribuer. Pour trouver ces membres au conseil d'administration, il y a deux questions qui ont été posées qui sont en lien avec la recherche de ces membres, puisqu'on a parlé de comment constituer le conseil, ce qui était important pour le maintenir, quelle avait rejeté qu'il devait apporter. Mais maintenant, quand on doit trouver des membres au conseil d'administration, il y a deux questions là que je trouve intéressantes en lien avec cette thématique. Une posée par M. Bernet, c'est notamment la question des administrateurs professionnels. Ils fleurissent, ces administrateurs professionnels, il y en a de plus en plus. Comment vous percevez ce type de profil, donc des gens finalement qui n'ont plus d'autres métiers que d'être membre de conseil d'administration? Déjà, est-ce que vous avez vécu ça? Et vas-y, Alain. Rapidement, moi, j'ai eu un membre du conseil d'administration qui était un administrateur professionnel. C'était vachement bien. Mais il ne faut pas en avoir trop. Mais encore, il ne faut pas en avoir trop, parce que c'est cher. Ouais, c'est ça. Non, mais ça amène des orthodoxies, et puis ça, c'est juste des machines de guerre pour faire avancer les... Ils ont l'habitude, moi... Voilà, c'est un conseil qui est plus basé sur la personnalité des membres qui le constituent. Et puis, voilà, moi, je prends beaucoup de place, je parle beaucoup, j'explique beaucoup tout. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un qui remet de l'ordre et puis qui organise un peu tout ça de manière professionnelle. Parce qu'il y a une taille, il y a un moment donné où les administrateurs viennent aussi, mais ça ne peut pas être un one-man show. Du propriétaire actionnaire PDG que je suis pendant 2 heures, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, puis il faut les organiser, il faut donner un rythme, il faut donner une thématique par conseil, je crois beaucoup à ça. Un conseil va parler de ça pendant 2 heures, après on fait etc. Donc oui, d'avoir un administrateur professionnel, ça amène une forme d'orthodoxie dans l'organisation qui est bonne. Ils sont, suivant lesquels, très très performants. Maintenant, je pense que la richesse, c'est justement d'avoir aussi, moi j'ai besoin de gens qui vivent, des entrepreneurs autour de moi, des gens qui vivent au quotidien une vraie aventure et qui ne sont pas là à passer de conseil à conseil, à conseiller des gens qui prennent tous les risques et puis eux ils sont juste rémunérés pour venir dire que le temps de parole, il faut le passer, etc. Donc, un, c'est bien, ça ne sert à rien d'en avoir trop à mon avis. Nicolas, cette question? Je pense que ça... C'est bien, ça dépend des personnes. En fait, par exemple, on parle de transformation digitale. Quelqu'un qui, ça fait 15 ans, qui est administrateur professionnel, ben, peut-être qu'il est devenu presque une entreprise à lui-même et puis il comprend la transformation digitale, mais peut-être pas du tout. Peut-être que lui, son entreprise, c'est une personne, une secrétaire, puis lui, fait que ça devient difficile, si ça fait longtemps, de vraiment... voir les trends qui se passent, puis qu'il ne faut pas rater, puis qui sont le rôle du conseil d'administration, c'est vraiment de faire voir à celui qui est dans le guidon ce qui se passe dans le reste du monde, puis il faut bouger. C'est pour ça que ça dépend de la personne, ça dépend de comment ils s'impliquent dans leur rôle, dans leur conseil d'administration, on va dire, respectif, et puis comment ils apportent ça d'une place à l'autre. Donc, ça dépend de l'individu, de la personne. Alizé? Ouais, je crois pas trop à ces checklists. C'est comme on entend encore, est-ce qu'il faut 2 ou 3 fois? Je sais pas, c'est il faut juste savoir qui sont les bonnes personnes pour la boîte, peu importe s'ils sont professionnels ou pas. Pour moi, il n'y a pas de checklist sur ça. Il faut trouver les bonnes personnes. Et c'est un peu toujours ça, défocaliser un peu sur le concept de compétences et du bon CV et plutôt focaliser sur. The bigger picture et qu'est-ce qu'on peut faire à long terme ensemble. Parfait, merci. Et puis bon, on est prêt jusqu'à 18h15. Je propose encore une question moi, qui me tient à cœur. Mais évidemment, c'est la place des femmes dans les conseils d'administration. Alain, tu as évoqué que votre conseil, vous avez 3 hommes, 3 femmes.
Alors déjà, bah, quid de la difficulté hein, de trouver les femmes qu'il faut? Moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent, mais on aimerait avoir des femmes, mais on ne les trouve pas. Est-ce que toi, Alain, tu l'as vécu comment, comment tu vis ça quand on dit on ne trouve pas les femmes qu'il faut pour les conseils? Je rejoins Alizée sur ce sujet. C'est une question de compétence, pas une question d'hommes et de femmes. Il se trouve que ça me fait plaisir, parce que c'est dans l'air du temps d'avoir du 50-50, mais personnellement, je m'en fiche complètement. Ce n'était pas du tout ça l'optique. On n'a pas à compétence égale. Alors oui, si vous n'avez aucune femme dans le conseil d'administration et que pour des histoires de gouvernance et qu'aujourd'hui, vous voulez être politiquement correct, à compétence égale, bah, prenez la femme. Voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, moi, je pense que ça amène… Moi, c'est des concours de circonstances. Il se trouve que j'ai rencontré des gens qui ont été intéressés par le projet qu'on amenait. Et il se trouve, il y a une question, pourquoi il n'y a pas de parents d'élèves, par exemple, on me demande dans mon conseil d'administration. Il se trouve qu'une des femmes en question est mère d'élèves et que c'est une femme qui s'est toujours intéressée, qui a eu une critique constructive assez systématique pendant les années où son enfant, d'ailleurs, est toujours là. Et on lui a proposé de nous rejoindre parce que ça nous donne aussi un feedback par rapport à un sentiment, en tout cas, de certains parents. Mais je ne crois pas tellement au fait qu'il faut un pourcentage. Ou, voilà, ça, moi, j'ai toujours travaillé plus avec des femmes qu'avec des hommes. Donc, pour moi, c'est tout à fait naturel d'être entouré plutôt de femmes. Je me sens plus à l'aise, on travaille de manière plus efficace, j'ai l'impression. Voilà, ça, c'est pour les mecs. Ils penseront ce qu'ils veulent, mais il y a moins de conflits d'ego et de trucs. Je trouve hyper agréable. Et puis, voilà, cet équilibre marche bien, mais il n'y a pas de modèle, j'y crois pas. Je crois vraiment que c'est les compétences de chacun et de chacune, le hasard des rencontres, et puis surtout l'alignement sur les valeurs, et puis une envie. Il faut vraiment avoir envie de contribuer et de participer. Mais si c'est juste pour être là, ce n'est pas financier. Mais je pense aussi qu'il faut rémunérer correctement les administrateurs. Parce que c'est un vrai job. Si on attend d'eux une vraie implication, il faut quand même aussi tenir. On vous a demandé une fourchette, Alain, dans les questions, une fourchette de rémunération des administrateurs pour une PME de 100 personnes. Bon, toi, tu es un peu au-delà de ça, mais si tu as une idée comme ça. Ça dépend des capacités financières. Moi, nous, on est autour des 10 000 francs par administrateur pour 4 séances d'une demi-journée dans l'année. Il peut y en avoir plus. Après, ils sont assez disponibles. Mais disons. Je ne sais pas, c'est ce qu'on m'avait. Bon, on m'a dit que c'était un peu. C'était pas mal. Quoi. Merci beaucoup. Nicolas, puis Alizée, sur la question des femmes, ce que vous voulez vous prononcer, vu que vous en êtes, a priori, Alizée. Oui, oui. Ah bah, allez-y. Alors, bah, Alizée, puis après Nicolas. Okay, oui. Vraiment, Nicolas et après Alizée. Voilà. C'est une question de chimie, de valeur, de compétences. Dans tous les conseils où je suis, il y a des femmes, puisque j'y suis, puis il y en a d'autres. Et personnellement, je trouve ça agréable. Puis un conseil, c'est vrai qu'il y a juste des hommes. Il me semble que ça fait un peu vieux jeu. Mais. Ça peut arriver que tout à coup, dans un domaine où on cherche vraiment des compétences qu'on ne trouve pas. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas se bloquer là-dessus. Je pense que tout le monde maintenant, j'ai l'impression que tout le monde, les boîtes recherchent vraiment, se sont vraiment réalisées que la mixité, elle apporte quelque chose, elle apporte dans la discussion, elle apporte dans les valeurs. Et c'est une recherche des femmes, il y en a, hein. Il y en a des femmes. Merci. Et Alizée, cette question-là, puis après, on va conclure. Oui, je pense que c'est ça. De revenir à la conversation d'intelligence collective, ça peut fonctionner si c'est un groupe suffisamment mixte et divers, donc de personnalités, de background. Donc, de constituer son conseil d'administration par instinct et par feeling, souvent on se retrouve biaisé par rapport à notre réseau qui va nous amener souvent les mêmes personnalités. Et c'est là où le danger arrive, où on n'arrive pas forcément à créer une dynamique réellement performante. Je connais plus trop de métiers où le client, le consommateur, les employés sont pas des femmes. Donc, je trouverais ça fou de pas avoir des femmes au conseil d'administration parce que par défaut, ça veut dire qu'on n'a pas réellement intégré cette diversité qu'on veut engager de par les talents qu'on veut motiver, mais aussi les clients qu'on veut servir.
Par contre, souvent, ça a un coût supplémentaire dans le recrutement et c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre en compte. Nous, par exemple, on est en train de recruter pour notre deuxième fonds un venture partner et c'est vrai qu'on a réalisé que nos sources de recrutement, ils étaient vachement biaisées. Donc, on a dû faire un travail d'ouverture de nos channels pour pouvoir mieux sourcer des candidates femmes. On a dû passer plus de temps, donc on a dû attendre qu'on était prêt à mettre un timeline plus long par rapport au first closing. Donc, c'est vrai que parfois, c'est un coût supérieur à court terme, mais pour un réel investissement long terme. Moi-même, donc souvent, ben, parce que aussi c'est dans l'air de temps, malheureusement, souvent pour l'image de la gouvernance, et c'est dommage, ben, ça montre en fait la maturité du leadership et du conseil d'administration. Donc, on verra les défauts et les lacunes en temps voulu, mais si c'est bien fait, malheureusement, il y a encore très peu d'informations et de réseaux qui aident à vraiment amener les candidats juste pour ces postes-là. Mais de plus en plus, par exemple, moi, on m'a mis en contact avec Board to Win. Il y a d'autres réseaux de femmes sur l'arc lémanique ou sur la Suisse, au niveau européen. Donc, ça se construit de plus en plus. Et je suis encore choquée à quel point la direction de boîtes en Suisse sont très peu au courant de ces réseaux, de ces conversations, du concept de recrutement et comment ça doit s'effectuer. Donc non, ça existe, ça se fait, il y en a suffisamment. Il faut être réellement intentionnel par rapport à une stratégie, une vision de qui on veut adresser pour les intégrer au sein du conseil d'administration. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour vos apports. Ils ont été super inspirants. Je pense que les gens qui nous écoutent là pendant 1h15 ont pu avoir un recueil de bonnes pratiques et je pense qu'on peut trouver plein de bonnes réponses à leurs questions. On vous rappelle qu'on vous transmettra avec le replay les réponses aux différentes questions que vous avez posées. On va également essayer d'aller chercher auprès des intervenants celles qui n'auraient pas encore trouvé de réponse, le cas échéant. Donc, vous ne faites pas de soucis là-dessus. On ira chercher ça pour vous. Et puis, on a aussi Caroline qui nous dit qu'en plus de Board to Win, il y a le cercle suisse des administratrices qui existe également, puisque Alizé t'a cité Board to Win tout à l'heure. Prochain événement, c'est le 9 mars 2021. Attirer les talents, on a un gros problème de talents en Suisse en ce moment. Et les conserver, comment s'y prendre. Et là aussi, on aura un chouette panel. En tout cas, un grand merci. Un grand merci Alain, Alizé, Nicolas, d'avoir donné de votre temps en cette fin de journée pour nous. Et puis, à tout bientôt. On vous souhaite surtout une pleine santé et puis que vos entreprises aillent le mieux possible dans ces temps vraiment difficiles. À tout bientôt. Merci. Et encore merci à la Chambre de commerce pour la co-organisation. Merci.